Salut! Si vous êtes adepte de la montagne et que vous ne savez jamais où aller pour bien manger au resto à Oron, j'ai une minute pour vous faire découvrir 4 adresses incontournables pour vous régaler de raclette fondante, de tartiflettes, de duo de Savoie et toute autre spécialité de montagne qui vous donnera un bon prétexte pour retourner faire du sport dès que vous aurez digéré. D'abord, vous pourrez dormir et manger à l'hôtel Les Écureuils et son resto Les Pivotes. Au pied des pistes, une cheminée, une superbe salle façon chalet et toutes les spécialités savoyardes préparées par Cathy et Michel Guillot. J'ai dit Cathy et Michel. Daube, pot-au-feu, raclette, saucisse à la châtaigne et vin de Savoie, tout y est. Sur la place du village, The Place to Be, c'est l'endroit. Tenu par les experts en bonne table, bistrot, familial et convivial, les Lyonnais Dominique et Paul avec leur niçoise de fille Célia. Alors là, si vous aimez l'andouillette 5K certifiée magique, le gratin qui tue, les œufs morettes ou la saucisse lentille pour pas cher et en avoir plein le ventre, impossible de ne pas venir manger ici. Si vous êtes sur les pistes, vous pouvez faire confiance les yeux fermés au restaurant d'Alain et son équipe, la Bergerie. Un des plus anciens restos d'Oron, une ancienne bergerie posée en plein milieu des pistes, grande terrasse, solarium ou intérieur cosy, cuisine des viandes à la broche, produits locaux super savoureux, raviolis faits maison, jus de daube, truffes, barbage blanc, terrine de sanglier, bref, que du bon. Et un peu à l'écart, à Saint-Dalmas, une cuisine un peu plus tranquille et léchée chez Jean-Luc Jouvente au restaurant Le Forest. Vous y serez tranquille, c'est raffiné et pas cher, et au pied des sentiers de randonnée. Voilà. Pour en savoir beaucoup plus, vous avez ici en bas les adresses des articles avec des mots et des articles avec des vidéos. Bon app et à plus les petits loups.